je ne serai pas toute seule sur l'écran, je serai en compagnie de, voilà, de Florian, mon frère, pour... Alors, tu fais quoi hein Pour donc un tag qui s'appelle... Qui s'appelle... vivre avec une fanat lecture, en l'occurrence moi. Et Florian servira de cobaye ou bien expliquera son ressenti par rapport à cette expérience qui ne doit pas être tous les jours facile. Ok. À chef, pour ceux qui vivent la même chose que moi. Ouais, énorme, 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 énorme. J'ai fait une action dingue. J'ai fait. Tu te fous ma gueule? Oh. Tu fais quoi là? Eh. Quoi? Eh. Tu m'écoutes quand je parle? J'ai dit quoi? Je t'ai dit que t'écoutes pas. Mais tu vas la fermer ta gueule. Quoi? Mais tu vas fermer ta gueule. Non. Si. Mais c'est drôle ce que je lis. Aïe. Oh. Tu. Aïe. La ferme. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la faim. J'ai pas la faim. Merde. Mais tu sais quoi, ce livre, il est trop bien. Je te jure, il est trop, trop bien. Oui. Tu veux que je te parle de ce qu'il y a dedans? Non. Si, non. Hey, il est trop bien. Non. Je suis sûre que je pourrais te donner envie de le lire. Non. Moi, mais tu sais quoi, je suis en train de penser, tu sais, ils ont fait des livres à partir des jeux vidéo que tu joues. Non, oui, oui, certains sont faits à partir des jeux vidéo comme Assassin's Creed Watch Dogs, et d'autres sont faits à partir des jeux vidéo sont faits à partir de bouquins, comme la série de The Witcher. Tu pourrais pas les lire, toi? Tu m'as déjà vu ouvrir un bouquin? Ouais. Et combien de temps? 5 ans? À peu près? Voilà. Non, pas 5 ans. Si. Non. J'étais en 4e. Je suis sûr, le dernier bouquin que j'ai eu, c'était Percy Jackson, j'étais en 4e. Chante, je viens de terminer ma terminale. Oh, terminer ma terminale, c'est beau ça. C'est bon. C'est bon ça. Oui, et donc? Oui. Non, il est trop beau pour être... Hein? Mais bref. Oui. C'est bien ce livre-là ou pas? Bah, certains sont fidèles. Assassin's Creed sont assez fidèles et racontent certaines parties annexes du jeu. Mais après, je peux pas les... Je les ai pas lus, hein, je peux pas te dire, hein, franchement... C'est encore pour toi. Oh, merci. Cherchez des bouquins, là. Les gens font chier. Merde. Putain. Ah oui, en fait, faut que je vous dise. Chaque fois qu'on va faire les courses, faire du shopping, ce que vous voulez, enfin bref, faut toujours qu'elle aille chercher un bouquin. Regardez ce qu'il y a que sorti, enfin, les dernières nouveautés. Au moins, on sait ce qu'il faut comme cadeau, que ce soit fin d'études, Noël, anniversaire, nouvel an chinois, nouvel an, fête, bar mitzvah, je sais pas, faut trouver. Donc offrez-lui des bouquins, faites des dons, je sais pas, faites quelque chose, je vous donnerai son PayPal, enfin quelque chose. Fais chier les bouquins, merde! Alors voilà, c'était notre petite vidéo, un petit tag de pas grand chose. C'était pas très pro, peut-être pas très bien préparé, et on a fait ça avec les moyens du bord et surtout la patience de Florian qui n'est pas très élevée, soyons honnêtes. Ta gueule. Moi aussi, je t'aime. Aïe. Bref, vous constatez que c'était pas forcément évident, mais on espère quand même que ça vous aura plu, et puis si vous avez des idées pour faire d'autres tags ensemble, et bah, n'hésitez pas. Surtout si ça peut mettre Florian dans la panade, ça serait drôle. Et... Ça va mal finir cette affaire. T'es au courant? Voilà. T'es au courant que tu vas finir dans la merde? Si vous avez aimé, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas non plus. Il y a la page Facebook qui est toujours ouverte, bref. Trouverai toujours un couteau.
Voilà. Et si, vous voulez acheter des kilos d'amour et des kilos de patience pour Florian qui est manifestement maltraité par sa sœur, n'hésitez pas non plus. Vite. Ciao les rêveurs. Vite.